Khan Academy, c'est une plateforme qui est destinée aux enfants de tous les âges. Vraiment de la fin de l'école maternelle, quand on commence à apprendre à compter finalement, jusque les premières années de master à l'université. De façon générale, j'ai constaté une démystification par rapport aux mathématiques, c'est-à-dire qu'il y a une peur de certains enfants qui tombent parce que là, ils peuvent s'entraîner et ça permet à des élèves qui ont besoin de se faire réexpliquer la leçon pendant que d'autres avancent, et bien de pouvoir la réécouter, de pouvoir se réentraîner, de pouvoir même retravailler en amont des notions plus anciennes. Il y a eu des défis dans l'adaptation des vidéos de Khan Academy du monde américain vers le monde francophone. On n'écrit pas les signes multiplication ou les signes de division de la même façon aux États-Unis qu'on ne le fait par exemple dans le système d'éducation francophone. C'est pour ça qu'on parle davantage d'adaptation que de traduction, mais il s'agissait aussi d'adapter les exemples culturels. On parle beaucoup de baseball dans les vidéos, par exemple, de la Khan Academy, exemple qui a peut-être moins de sens pour des élèves au Sénégal, en France ou en Belgique, et donc on a pris d'autres exemples. De façon générale, je dirais que le numérique apporte davantage d'outils aux enseignants pour comprendre où en sont les enfants de façon spécifique dans leur apprentissage et pouvoir adapter l'accompagnement qu'il leur apporte au quotidien. Les vidéos en guise de cours, pour moi, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un complément à l'école. C'est important pour moi d'utiliser cet outil où on évalue de façon positive les élèves, hein, on s'attache à ce qui réussit, et non pas à l'échec.